Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France avec pour objectif la conquête de l'Afrique, alias l'Afrique rose. Alors, il me semble qu'on avait dit qu'on allait prendre le Sokoto comme ta client. Non, comment ça s'appelle? Pays fantoche? Il me semble qu'on allait faire du Sokoto en fantoche. Eh ben, bah, c'est ce qu'on va faire. On commence. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer déjà? L'Académie d'art. Un peu de soufre. Ah oui, c'est vrai, le soufre est un peu cher. Ok. Allez, c'est parti. La Grande-Bretagne qui pourrait s'en mêler, mais bon. Si la Grande-Bretagne s'en mêle, elle va encore prendre cher. Alors, je vais déclarer un peu d'intérêt ici, ici, ici. Ah, si jamais la Grande-Bretagne vient s'interposer, on sera prêt. Hop, hop. Impeccable. Là, pour du commerce, ici, je sais que la Grande-Bretagne aime beaucoup l'endroit. Hop, tout là, là. Là, on s'en fout un peu. T'as un mom chic. Ah ouais. T'as la Corée ici, ça peut être sympa. Et pour le Canada, ouais. Voilà. Alors. Ah, j'ai perdu en général. Général, en Occitanie. Les tartariens, voilà. On peut pas sortir un. Regardez comment montagne traditionnaliste. Ok. Le propriétaire tellement on va foutre en sud d'Afrique. Ok. Au obusite. Au putain. Mais Félicien, Langlade, t'es pas ouf, toi. Je vais juste te mettre à la retraite, hein. T'as bien mérité, hein. Sanika Travailleur, planificateur offensif, réservé, hédoniste, explorateur, commandant traditionnaliste, expert en combat montagne. Vincent de Pourtalès. Allez, on va prendre lui. En Angleterre, on va mettre lui. En Italie, on va mettre lui. C'était Vincent de Pourtalès. On va promouvoir. Encore. Encore. Normalement, c'est bon. Allez. Mobiliser parce qu'ils ont une armée assez forte quand même le Sokoto, et c'est pour ça que je vais les prendre parce que sur place ça fait un atout non négligeable, clairement non négligeable. Ok, des hindous, oh, c'est cool ça. Autriche, ouais, l'Autriche, blabla, oui, bon bah effectivement j'ai un peu d'infamie, j'ai un peu méprisable. Mais ça va. On a une techno. J'ai pas vu laquelle, tiens, j'ai vu l'Espagne, tiens, qui se réveille. Bah ça devait être. Ça devait être la défense en profondeur. Hein. Oh non, la simulation. Ouais, c'est ça. On va faire de la propagande. Espagne, Espagne, Espagne. Oh, Espagne, tu vas me donner le Cameroun méridional. Conquérir l'État, tu vas me donner le Cameroun. Ça va me faire augmenter un peu mon infamie et tout, mais. Mais il me le faut. Là, je vais avoir le Maroc qui va intervenir, c'est parfait. Il y a un truc qui m'embête. Oh là là, toutes ces notifications, mais c'est fou, putain.
vraiment falloir qu'il fasse quelque chose. Espagne. Qu'est-ce qu'il fait lui? Stratège défensif, expert. Ok, on va le refaire venir lui. Et à la place, on va envoyer quelqu'un d'autre. Là c'est bon, là c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. On va envoyer quelqu'un ici. Là c'est bon. Là vu qu'il y a Gibraltar, le passage est bloqué. Il y aura une défense ici dans 20 et quelques jours. Les Pays-Bas, c'était nous ce couteau. Encore la Côte d'Ivoire. Je pourrais lui prendre la Côte d'Ivoire. Hein. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hop, développement. Alors oui, il faut que je passe à tout le monde comme ça par contre. Charpnel. Hôpitaux de campagne, hôpitaux de campagne. Voilà. Waouh! Ça se picote! Oh, un petit peu de famille. Le Bornou. Le Bornou, il est planqué derrière là. On va y envoyer Michel. Là, on va envoyer Firmin. Ah, salaud. Ah, il envoie du monde là. On va prendre Roland et Bruno, on va le mobiliser hein, ici en défense, ça devrait suffire. Là, il arrive bientôt. Là, j'ai un autre front, on va le défendre. J'ai de l'argent. Donc je vais activer quelques conscrits, ça va faire du bien. Là où j'ai des péons, en Île-de-France. Bretagne, ici, en Aquitaine, je sais que j'en utilise pas trop. Ok, il n'y a pas grand monde. Oh, quand même. Il n'y a pas grand monde, donc on va pas activer plus. J'en ai un combien? 44 Picardie. J'ai pas d'autres 50, on m'a dit, ouais. Je sais pas si j'ai assez de péons. On m'a dit, niveau population. Paysan, oui, allez. Allez, on va activer. Merde, ah, oh, je suis perdu. Voilà. Oh, je me suis perdu pendant un moment là, c'était n'importe quoi. En soit en Occitanie, ce serait bien aussi si je pouvais en activer un ou deux centres d'enrôlement plus. On va activer celui-là, allez, ça sera bon, ça devrait être pas mal. Les Pays-Bas, oui, bon. Est-ce que je peux avancer Firmin? Firmin, tu vas avancer. Il faudrait que je prenne ça. Le Ghana et la Côte d'Ivoire néerlandaise, ce serait bien. Ça a vraiment piqué au niveau en famille, hein. Mais ça va valoir le coup, là. Attendre, voir. Ok, ajouter donc. Prendre le port de traité. Côte d'Ivoire néerlandaise, et ça c'est Ghana néerlandais. C'est considéré comme un état? Ah. Ok. On va faire comme ça. Ajouter. On est pas mal, on a fait le tour.
Est-ce que je pourrais pas faire petite libération du. Non, pas. Non, libérer le pays. Est-ce que je libérerais pas un petit peu la Catalogne et Navarre? J'ai le choix entre les deux. On va voir. Oh, le centre de commerce de Catalogne est impressionnant. En Navarre, il est pas fameux. On va prendre le centre. On va prendre la Catalogne. Enfin, elle va libérer la Catalogne. Hop, pardon. Bon, la libération de la Catalogne. On va prendre quelques réparations quand même espagnoles. Et néerlandaise. Voilà. Ça va augmenter encore la famille. Mais ça va valoir le coup. Là, il passera pas. J'ai détranché. Il passera pas. Oracani. Chilien, Selkan. Selknam et Argentine. Ok. Ok, alors, et la question c'est va-t-il abandonner? Très ingrat. J'aimerais pas qu'il abandonne. Au contraire. Ok. Une bonne chose. On défend bien. Là, on va pouvoir attaquer, envahir tranquillement. Là, on assure plusieurs fronts. Ce coteau devrait tomber, on va dire, assez simplement. Ah, quoique, ça prend pas beaucoup de terre à la fois. On va juste vérifier qu'on ne se fasse pas battre sur les autres fronts. Voilà, c'est une attaque, c'est pour ça. Là, il va pas essayer. Il sait très bien qu'il a rien à gagner. Ici, c'est pépère. C'est tranquille. Ma question c'est où est-ce qu'il va aller lui? Il va aller quelque part, je sais pas où. Il va pas là, c'est bien. Là ça tient. C'est le Dahomey. Le Dahomey qui attaque. Non mais. Oh là là. Bon, on dira rien. Ok, là on prend. Elle est où sa capitale à lui? Ah bah c'est bon, la capitale est tombée. Bon, ça devrait être rapide. Au moins pour le Sokoto, pour le reste. On ira sur les Pays-Bas, puis ensuite sur l'Espagne, voilà. Du plus faible au plus fort, on s'attaque au gros morceau en dernier. Quoique si je m'attaque... Si, c'est pas vrai, le Pays-Bas étant plus faible que le Sokoto, j'aurais dû m'attaquer aux Pays-Bas. Mais il y avait plus de front sur le Sokoto, donc j'ai préféré en finir plus vite. J'ai pas pris une borne, c'est pas grave. Là on avance, on avance. Ils sont où? Ils ont disparu? Eh oui, regardez. Ils foutent rien, mais c'est quoi ça? L'autre il est rentré chez lui, là, Vincent de la Poutre. Pardon, Vincent de la Poutre à l'air là. La Poutre à l'air, je sais rien. Choisissez le nom. Il est juste rentré chez lui, et on a rien à lui à foutre. Ah ouais, non mais il se fait pas chier hein. L'Irlande, je suis un peu occupé mon ami, désolé mais là c'est pas possible. Hein. Ouh, l'Irlande communiste. Oh, on va voir qui va gagner. Ça va être marrant ça. Ok, là c'est une défense. Par contre, faut pas déconner. Même toi. 63 jours. Non mais il est parti où? Ah ouais, non mais il était de ce côté d'abord, c'est pour ça. Là faut y aller. Là c'est une défense. Merde. Il est attaqué le con. Le caoutchouc, clé, fièvre du caoutchouc, côte au vent, ça me va. J'ai rien ici. Hein. Fièvre, ils sont barrés où? Défense, ok.
Bon, il y a des mystères comme ça des fois, on sait pas trop. Ah, il a réussi à... Il a réussi à prendre du territoire. Les barres, ils sont deux. Attends, je vais les aider hein, si ça marche vraiment ça. Excellent. Bah, attends. Ouais, non, peut-être pas les laisser tout seul quand même. Puis, notamment... Oh, petit déficit. Heureusement, j'ai ce qu'il faut en rab. Parce que, oula. Ça picote un peu quand même. La fièvre du caoutchouc en Gambie. Ok. Alors, toi. Pas toi. Toi, tu vas aller là vite. Ah, bah, trop tard, c'est pas grave. Bah, toi, en fait, tu vas aller. Tu vas changer ta position, tu vas aller là. On va pouvoir se prendre le Sokoto tranquillement. L'Espagne, bon, elle avance pas normalement. Il n'y a pas de. Peut-être encore ici où ça pourrait être problématique. Et encore une défense trop forte. Ah ouais. J'avais deux péons. Mais qu'est-ce que. Pourquoi ils. Ah, ils vont tous sur le même front, je sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est pas bon. Toi, tu vas défendre là-bas, comme tu étais de base. Toi, tu vas là-bas. Et toi, tu rates d'attaque. Oh, tu peux aller. T'as plaisir. Alors, l'industrie. Petite pause industrie. L'engrais est cher. Est-ce que je peux changer mes méthodes de production? Ouais. Ouais, totalement. Je vois que je suis en pénurie. Oh putain. Ah ouais? Là, je suis au max. Ça me donne trop d'armement. Là, je peux pas. On en manque combien ça? 1200? Ouh. Ah ouais! On va. Oula! On va faire 7, là, de suite, maintenant. Oh la vache, 1200 en moins, tu me. Oh purée! Ah ouais! Je pensais pas que c'était autant. Je savais que ça allait être un peu plus difficile. Mais ils sont parés encore tous là-bas. Je savais que ça allait être un petit peu plus difficile à cause du. Du fait que je mobilise. Au niveau des quantités, mais je pensais pas autant. J'en avais en rab quand même. Allez, Sokoto là. Bon, ils vont tous les refoutre là-bas ou comment ça se passe? Ouais. Ils sont encore barrés, mais ils sont barrés où? Il y en a un qui est là-bas. Ah non, ça c'est le mien. Pardon, j'ai rien dit. Je suis une mauvaise langue. Ils sont pas là, ok. Bon, ils ont disparu. Caoutchouc, ok. Sécession Soto. J'ai aucune idée d'où est-ce que c'est ça. Bah écoute, on va les écraser, on aura plus. Puis basta. Bornou, c'est bon. État libre et royaume zoulou français. C'est pas cool. Comment ça? Eh, toute l'or là. C'est une durée d'agitation. Ouais, bah oui, bah comment je fais pour le baisser le degré d'agitation? Non, mais c'est toujours la bonne blague. 61! Ah ouais! Oui, bah oui. Bah pourtant j'ai multiculturalisme, j'ai tout ça, mais c'est pas grave. Coûte qu'ils fassent la fête. Hein. Au moins, ils feront plus d'agitation, ils seront morts. Donc, c'est plutôt simple. Allez, voilà. Voilà. Le Sokoto, là, il a 96%, moins 91%. Bah, c'est moins 100, voilà. Le Sokoto a fait ça. Déclaration de soumission. On va prendre là. Non d'ailleurs je vais pas le prendre là de suite. On va.
Ah, j'ai pas vu, mes deux amiraux sont morts. Mes deux amiraux principaux, quoi. Oh là là, la dèche. Pierre de convoi, syphilis, blessé. Oh bah lui, il va pas durer longtemps. Commandant naval, ouais. Accro à l'opium, organisateur, machin. Lui, il est pas trop mal. On va voir si je peux en avoir un autre. Dans tous les cas, je suis obligé d'en avoir un autre. Oh ouais, lui, il est bien. Adolphe Covry. Hop là, voilà. Et lui, je vais l'utiliser pour faire une petite invasion navale en Hollande avec Hugo Baragi. Ok, c'est quoi ça? Oh, oui. M'intéresse pas. Là, on va arriver, on va prendre deux territoires. Là, avec le Sokoto, ce sera plus facile de prendre des territoires aux alentours. Ça, on va pas se mentir, vous allez voir, ça va être du gâteau. Je suis en négatif ici. On va prendre le Bas-Congo, ça coûte pas grand-chose. Je suis pas à 36 d'influence près, de bureaucratie près. Ok, là, ouais. Ah bon bah là ils vont se faire fumer. Hein. Hop, là on a combien de temps de débarquement? Une dizaine de jours. Ok. Sécession. On prend de cette unité là. On va lui dire d'aller aider. Et il m'intercepte avec une avec une vingtaine de navires, je crois. Ouais, une vingtaine de navires, j'en ai 100. Bon bah, ciao, ciao. Ça va, elle est des cuirassés quand même. Ah, il y a deux fronts. Ah bah oui. Hop là. A pu. Si, encore un petit morceau. Ah! Toi, tu vas aller là. De suite. Sept, 30 jours, ok. Lui, il est... Ah non, c'est mes alliés qui sont mes alliés qui sont... Je sais pas qui. Le Dahomey, encore. Purée, il est chaud. En débarquement, même si on est en attaque très inférieure, on a une forte supériorité numérique. Donc on en profite. Surtout que je n'ai pas encore la technologie navire de débarquement. Donc ça picote. Viens de quelque chose, cet endroit devrait être propice. Allez, Gabon, ouais. Voilà, on attaque par l'arrière. Hop là. Le salaud, il a envoyé quelqu'un. Juste avant, ça s'est joué vraiment rien. Alors, ensuite, il va le déplacer, blablabla, blablabla, voilà. Toi, il est en déplacement. Vincent de Poulard, test, t'es où là? Ok, tu vas là-bas. Déjà, je vais réavoir mes bonus. Enfin, je vais normalement avoir moins de malus dû à ma production d'armes. J'espère. Ok, ça c'est bon. Ouais, tant que je suis plus en pénurie, ça va, c'est cher, mais on m'en fiche un peu. Pénurie, les munitions. Ah, oh, chut. Hop, on refait vite. Bon, où est-ce qu'ils sont eux? Hugo, où est-ce que t'es barré toi encore? C'est pas vrai ça?
Ah, il est foutu dans le QG du rang, lui. Ok, bon. Bon, même ce que je pourrais faire en vrai, c'est ça. Dans l'autre sens. Ah. Ça y est, il va avoir un coup de main. C'est long quand même. Hein. Là-bas. Ah, j'ai pas le choix. Là, ça se fait tranquillou. Là, ça reconquis, c'est bien. Par contre, il me semble que j'ai des... Ouais, j'ai des généraux qui me servent à rien. Hop là, toi tu vas aller là. Et hop là. Tu vas aller là. J'ai pas le temps. Ok. Les Pays-Bas vont bientôt accepter ma paix. Leur capitale est tombée. Leur dernier territoire notamment. Ouais, voilà. Donc j'ai le port de traité de Côte d'Ivoire, le Ghana. Ce qui fait que. Oh merde, c'était un territoire, c'était pas que le port de traité? Bon, ce qui fait qu'il va falloir que j'aille retaper dessus un moment ou un autre. Bon, c'est pas très très grave non plus. Bah, ce qui fait que, coucou, toi tu vas aller là-bas. On va y aller en offensive. L'ennemi m'en est arrivé, elle fait non, 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 je rigolais. 61%, c'est bien ça. C'est toujours mieux. Ok, bah là on pousse, hein. Là on reprend le Maroc du Nord. Et on va le prendre sur deux fronts. Là on a une mauvaise attaque, c'est dommage. Pas enfin, une mauvaise attaque. On n'est pas assez nombreux. Même si on a beaucoup plus d'attaques que sa défense. Ouais, là par contre. Ouais, la défaite elle est moche hein, quand même. Pas mal d'attaques en plus. Bas-Congo, allez, c'est parti. Là il y a une petite sécession. Voilà, qui va juguler tranquillement. De Akan. Ouest Africa, ok. C'est ça? Je sais pas. Ah, on lui a tout rebouffé comme ça là? Ah ouais. Bah, on va prendre par les Alpes. Hein, si on y arrive. On est quand même trois fois plus nombreux. Ça devrait passer quand même. Je suis pas un expert après, mais bon, je vois écrit 82%. Beaucoup plus de force. En général, des stats plus élevés. Ça devrait le faire. Alors, le soulèvement. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, ils reviennent là, normalement. Oui, voilà. Donc on a regagné nos mines d'or là déjà. Ça nous refait un bon petit revenu. Oula, il y a eu du paysan qui a passé l'arme à gauche là. On va retirer deux là. Hop. Pétrole découvert, ah, ça commence. Voilà, on a une partie de la Catalogne. Bonne partie de la Catalogne. On va passer les montagnes, ça veut dire. Ouais, bah là-bas, je sais pas ce qu'ils ont foutu encore. Est-ce que je peux pas tenter un petit débarquement en Andalousie
Occidentale. Ah, il est pas dispo. Faut attendre que la bataille se termine. Mastication du caoutchouc. Le caoutchouc, je veux dire. Ah, ça continue ici, hein, le toit. Hein. Parce que là, elle sera pas gagnée. Tous les pays qui déclarent leur neutralité là. C'est bon. Bah. Quoi? Bah bien sûr que si. Ah non, il est pas fini. Ah merde, j'étais persuadé qu'il avait fini. Oh. J'ai rien dit. Propagande de guerre. On va prendre ça, ça va nous servir. Ouais, on est à peu près égaux aux pertes. C'est pas non plus. C'est pas ce que je cherche, c'est le problème. Allez, tentons. Le Venezuela a expulsé nos diplomates, fait au plusieurs. Je m'en fous, t'es qui? PTDR, t'es qui? Moi j'irai chercher ton pétrole, hein, Alzulia, hein, si tu m'énerves. Donc, même pas qu'Alzulia, partout. Si tu veux, hein. Après si tu veux te battre. Appelle-moi. Hein. Je suis toujours ouvert aux propositions. Ok, là ça passe toujours pas. Petit débarquement dans une vingtaine de jours. On est comment financièrement? Ok, on a perdu 20 millions, mais on est bien, on est toujours dans le positif. On va vérifier, je suis toujours en pénurie quoi. Non. État libre. Ah. Ah bah oui. J'ai pas assez de travailleurs. Bon, on va en virer quelques-uns et on va leur dire d'aller de la culture du minier, on va leur dire d'aller travailler autre part. En Loire, oui, effectivement. J'ai utilisé des infrastructures pour mes industries et en Aquitaine. Ouais. Bon bah en Aquitaine aussi apparemment. Voyons voir. Ouais. Ok. Toujours les bateaux à vapeur, hein. C'est fou. Hein. Il y a un truc avec ça. Faire 5. Pour le reste, des ressources de luxe, de l'opium. Voilà, de l'opium, comme d'hab. Là, oui. Ok, 200. Non, on est. Oui, c'est bon. 1, 2, 3. On va refaire 30 plantations d'opium. Ça devrait être bon mal. Alors, est-ce que vous avez réussi à attaquer? Non, toujours pas de la. Vous n'avez pas attaqué en supériorité numérique. Hein. Je sais pas ce que glande la majorité de mon armée, mais. On fait que des attaques en infériorité numérique. On est plus de deux fois plus nombreux. On est deux fois et demi plus nombreux. Ouf, bah voilà, heureusement le débarquement a bien fonctionné au sud. Heureusement qu'il y en a qui bougent leur cul, hein. Parce que c'est pas avec les troupes du nord qu'on aurait réussi à faire grand chose. Voilà, on arrive pas loin de Madrid. La capitale qui va tomber, ça va lui faire mal. Déjà rien que tout le sud qui tombe, ça va lui faire mal. Il va perdre la Catalogne, ça va lui faire encore plus mal. Après, il n'y a pas non plus trop d'habitants en Catalogne. Hein. C'est combien? C'est 1 million. Là, au niveau de Tolède, c'est 1 million. Ah, oh, mais c'est peu peuplé. Il y a 43 millions. Mais ils sont planqués où?
C'est quoi le délire? 1, 2, ok, 2, 5, 5, 6 et demi, 7 et demi. Ah bah, oui, si, si, 7 et 7, ouais, c'est ça. On a 9, 10, 11, on va dire 13, 13, 15, 16, 16, 19. Ah, on veut quand même. Ah d'accord, ouais, entre Valence et... Ah non, même pas. Mais comment peut y avoir 20 péons, 20 000 péons ici? Je comprends pas. Mais ils les sortent d'où leurs péons? Ah non, c'est le PIB. À chaque fois je me fais avoir. Ouais, bah je leur retire 10% de la population, c'est toujours ça de près. Chaque fois je confonds entre le PIB et... Ah c'est fou. Allez gars, on avance, y'a personne. Ok, conquérir Cameroun méridional. Donc ça s'est fait libérer la Catalogne et réparer son guerre. Oh merde. Ah la Catalogne, ils comptent Valence avec. Ah ils sont méchants. Ouh. Ah ouais. Ah ouais, bah là je leur retire... Je leur retire un bon 15%, ouais. Ouh. Ah bah ça leur a piqué le fiac, comme on dit chez nous. Hein. Ça aura pas fait du bien par où ça passe. Hein. Excusez-moi les termes, hein, mais faut les dire. Hein. Purée. Bon. C'est bien, en plus j'ai tout le Cameroun méridional. Grâce à leur gentillesse. Purée. Ça me fait marrer. Le petit trait comme ça. Ouais. Ok, bon bah on aura réussi à gagner des objectifs. On va s'arrêter là, c'est un épisode un peu plus long cette fois, j'ai voulu finir quand même avec avec cette guerre, histoire que vous ne soyez pas sur votre faim. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, c'était Thiob. Ciao.